Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Avant toute chose, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour avoir les dernières vidéos publiées, surtout si vous aimez le contenu de la chaîne. Notre sujet d'aujourd'hui va être un sujet très rapide et très intéressant pour toutes les personnes qui utilisent YouTube et surtout qui n'ont pas encore activé le nouveau thème ou plutôt la nouvelle interface qui concerne YouTube. L'activation de la nouvelle interface de YouTube est désormais possible de pouvoir le faire et tout cela est vraiment facile. Tout ce qu'il vous reste à faire est de vous mettre sur la page YouTube et de préférence d'être connecté avec votre compte. Puis il faut descendre tout en bas et de cliquer sur « Tester de nouvelles fonctionnalités ». Cela va vous basculer à présent sur une nouvelle page « TestTube » qui va vous informer des nouveaux avantages que vous pouvez avoir avec la nouvelle interface en tant que fonctionnalité mais également d'autres informations que vous pouvez lire avant de passer à la modification. Il ne vous reste que d'appuyer sur « Essayer la nouvelle version de YouTube ». Cela va vous basculer encore sur une nouvelle page qui vous informe « Essayer la nouvelle interface YouTube ». Cette nouvelle interface pour ordinateur met en valeur vos vidéos et vos créateurs préférés. Elle offre une expérience plus simple et divertissante sur YouTube. Sa conception est toujours en cours, mais nous avons hâte de vous la faire essayer et de connaître votre avis. Un dernier effort, il ne vous reste que de cliquer sur le bouton « Essayer ». Après avoir terminé, félicitations, vous serez immédiatement sur la nouvelle interface que voici. Personnellement, je la trouve très belle et mieux que celle d'avant, surtout qu'à force de voir la même chose, on a tendance à se lasser. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. À présent que vous êtes sur la nouvelle interface de YouTube, les avantages que vous pouvez avoir. En premier, c'est la conception du site qui a changé, je pense que vous l'avez remarqué. Mais également d'autres fonctionnalités telles que plus de fluidité dans la navigation sur YouTube, contrairement à la précédente interface. Le fait de cliquer sur le logo de votre chaîne vous permet plusieurs fonctions. Vous avez désormais la possibilité d'accéder à votre chaîne directement, ce qui n'était pas le cas avant. Il fallait aller sur le logo, puis Creator Studio et au final accéder à votre chaîne. Ou de mettre le lien de votre chaîne YouTube directement sur votre navigateur pour y accéder. Mais désormais, vous n'aurez plus à faire tout ce chemin, puisque vous avez tout séparé, l'accès à votre chaîne ou l'accès à Studio Creator, mais également possibilité de passer d'un compte à un autre. Vous pouvez également mettre votre chaîne en mode vie à votre guise, chose qui n'était pas possible. Et il fallait installer Stylish, une extension pour pouvoir le faire qui est inutile à présent. Vous pouvez également changer le contenu du pays que vous désirez, il vous suffit de choisir le pays et vous aurez le contenu directement. Sachez également que si tout cela ne vous plaît pas et que vous souhaitez retourner sur l'ancienne interface de YouTube, il suffit de cliquer sur « Revenir sur l'ancienne interface classique ». Cela vous permet de revenir à l'interface que vous avez l'habitude d'utiliser. Il se peut que cela va vous demander un petit questionnaire, les raisons de votre changement d'interface, bien sûr, tout cela afin de mieux l'améliorer. Mais personnellement, cette nouvelle interface est vraiment plus fluide comparée à l'ancienne interface. Je vous invite de donner votre avis sur le commentaire si vous venez de le tester ou vous l'avez depuis un temps. Dites-moi votre ressenti concernant cette nouvelle interface YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser également sur le commentaire ou sur les réseaux sociaux. Je serai ravi de pouvoir vous répondre. Et bien au final, il ne me reste que de vous remercier d'avoir vu cette vidéo en espérant que cela va être utile pour vous. En attendant de la prochaine, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien.